Hello, c'est Damiria Alpha. Je continue avec ce jeu de Night 2 avec les pacificateurs. Et puis, du coup, je vais chercher le médecin qui est plus bas. Oula, oula, oulala. Tu as aidé les pacificateurs. Oui, mais seulement pour arriver jusqu'ici. Eitor, il cherchait à faire le bien au vieux Vildor. Mais la haine entre le bazar et les pacificateurs a pris trop d'importance. C'était devenu une véritable poudrière. Et ces renégats, pourquoi ils cherchent? Probablement pour le même motif que toi, pour accéder à la base de données du GRE. Qu'est-ce que tu comptes en tirer, Aiden? Pourquoi es-tu prêt à risquer autant? Je cherche ma sœur. Ta sœur faisait partie du GRE? Non, elle était leur prisonnière. Ça fait 15 ans que je l'ai pas vue. Une prisonnière? Tu veux dire un de leurs cobayes? Je sais pas ce que je vais trouver. Elle est la seule famille qui me reste. La seule réponse à ce que Waltz nous a fait. Waltz? Il nous y retenait. Il prenait plaisir à expérimenter sur des enfants. Est-ce que vous étiez au courant? Je n'occupais qu'un poste intermédiaire. Je suis désolée. T'as besoin de savoir autre chose? Ou on peut y aller? Pourquoi tu m'aides? Toi aussi tu cherches quelque chose dans la base de données? Aiden, ces chambres fortes contiennent les plus grands secrets de mon organisation. Je suis presque morte, car j'en faisais partie. Je dois découvrir ce qu'ils cachaient. Et si t'aimes pas ce que tu vas découvrir? Qui ne tente rien n'a rien. Comment une médecin du GRE a-t-elle fini dans le bazar? En ne disant à personne que j'avais travaillé pour le GRE. Après la Révolution, le GRE a été accusé du désastre. Ses employés furent regroupés, puis exécutés. Les gens utilisaient la vengeance pour soulager leur peine, même si ça marchait pas. Il est arrivé ce qui devait arriver. Désormais, je suis quelqu'un d'autre. Et comment tu comptes nous faire entrer dans l'observatoire? Écoute, il y a un tunnel de sécurité qui mène au complexe. Il a été verrouillé il y a plusieurs années. Donne-moi la clé. Tu es sûr que la clé fonctionne? Elle fonctionnait avant. Le problème vient peut-être du manque d'électricité du bâtiment. Est-ce qu'il y a un autre moyen d'y entrer? Tout dépend de ce qu'on est prêt à risquer. Un paquet, si tu veux mon avis. Bien. Viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose. Ok. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois les dômes? Ouais, mais le coin est inondé de produits chimiques. Le GRE avait une solution à ça. Quand ils ont créé le THV Genmod, ils ont dû protéger leurs employés contre l'exposition. Le THV quoi? Les produits chimiques. Ils étaient chargés en agents bloqueurs, des doses qui devaient protéger leurs travailleurs pendant quelques minutes contre les vapeurs. Heureusement, j'ai encore deux doses. J'avais l'impression qu'elles seraient utiles un jour ou l'autre. Oh, elles doivent valoir une fortune. Elles sont très rares. Pour l'instant, il ne nous en faut qu'une seule. Pour toi. Attends, tu viens pas? Non, je te rejoindrai. Mais je veux d'abord que tu rétablisses le courant dans le bâtiment. En fait, je souffre de crises d'angoisse quand je suis dans des espaces étroits ou dans le noir. Tu dois croire que je suis une lâche. Au contraire, je crois qu'il faut avoir du cran pour venir ici. Alors c'est parti. Quand tu y seras, tu dois d'abord rétablir le courant. Je pourrai alors te rejoindre. Donne-moi ton bras. N'oublie pas que la dose te protège contre les produits chimiques pour une durée limitée. Je peux pas prendre l'autre aussi? Non, pas en même temps. Ce serait beaucoup trop. Atteins le plus petit dôme aussi vite que possible. Et de là, rends-toi au plus grand.
Tu devrais voir une porte qui mène à l'intérieur. Tu y seras en sécurité. Dirige-toi ensuite vers le bloc B, où tu devrais trouver le principal disjoncteur de l'immeuble. Dès que tu auras rétabli le courant, la porte de sécurité sera déverrouillée, et je pourrai te rejoindre par le tunnel que je t'ai montré. Allez, vas-y, l'agent bloqueur fonctionne. Ouais, bah justement, t'aurais dû me faire cette injection après ton blabla. L'agent bloqueur fonctionne. Enfin, après ton blabla, je veux dire. Une minute quoi. Super. Attention, dysfonctionnement du circuit d'alimentation principal dans le bloc B. Protocole d'urgence lancé. Véronica, j'ai réussi à passer les produits chimiques du premier dôme. Génial. Rends-toi au deuxième dôme. Trouve une porte, une trappe, ou ce qui pourra te mener en bas. D'accord. Véronica, j'ai trouvé l'entrée. Pour l'instant, tout va bien. Au fait, comment tu connais cet endroit aussi mal ? Je n'y suis venue qu'une seule fois. Il y a longtemps. Mais j'ai une bonne mémoire. Ouais, c'est pratique. Ouais. C'est parfois une malédiction. Vraiment. La flotte. Ok. Véronica, il y a une horde d'infectés ici. Merde ! J'espérais que les lieux seraient vides. Eh ben non. Je sais pas si je vais pouvoir passer. Utilise la torche UV de ta ceinture. Ça devrait suffire à les tenir éloignés. Ne t'arrête surtout pas. Je vais un autre truc. Attends. Fabrication. Est-ce que j'arrive à faire d'autres flèches? Pas du tout. C'est moins cool. Est-ce que c'est du one shot? Mon truc là il bug un peu là. C'est pas bien ça. On recommence.
Il veut pas. C'est dans l'eau. Non. On va faire différemment. Flamme, c'est quoi? Toxique? Oh, explosif, je ne sens. Niam, niam, niam. Merci. Mais t'es bien, mon chaud. T'es endormi? Non, non, on se calme. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, tous les coureurs là, il faut les buter. Véronica, j'ai réussi. Le courant est rétabli. Génial. Le tunnel de sécurité est ouvert. Je vais essayer de prendre l'ascenseur pour te rejoindre. Cet endroit était une vraie ruche, bourrée d'infectés. Mais je m'en suis débarrassé. C'était des êtres humains avant. Ils méritent un peu de respect. Hayden ! Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Il s'est arrêté ! Je vois. Je crois que le fusible a sauté. Je vais voir ça. Fais quelque chose ! Vite ! Je t'en prie ! T'inquiète pas, je vais m'en occuper. Ne t'en fais pas. J'ai juste besoin d'un moment. Me laisse pas ici. Me laisse pas ici. Le courant est rétabli, ça va? Véronica, je te retrouve aux ascenseurs. Oh, il y a des... Je sais pas ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait une crise d'anxiété? Je sais pas, jamais eu. Je peux pas. Des fois on me raconte ce que c'est, mais. C'est un peu compliqué d'imaginer en fait. Une source d'angoisse que ça peut être de terrible, quoi, je pense. En tout cas, moi je compatis aux gens qui ont ce genre de. Les phobies, quoi, et tout. Tu vois, je t'avais dit que tout allait bien se passer. Allez, entre. Ah.
T'as toujours été claustro? À ton avis. Ça fait plus de 10 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hayden, nom de Dieu! On peut parler d'autre chose? La base de données, où elle est? Une seconde! Sous nos pieds. Il faut encore descendre? 6 étages plus bas. C'est assez high-tech. Avant le GRE, ce complexe était tenu par l'armée. Ils y supervisaient les menaces potentielles, comme les bombardements. C'est pour ça qu'ils l'appelaient l'Observatoire. C'est alors que le virus a déferlé, et c'était fini. Et au final, il s'est passé quoi ici? Eh bien, le GRE a perdu le contrôle de la situation, et tout s'est écroulé. Un véritable enfer. Que je sache, les scientifiques s'y sont barricadés entre eux. Mais très vite, les conditions sont devenues aussi mauvaises qu'en ville. Certains hommes ont alors décidé de s'échapper. Et ceux qui sont restés sont ceux que tu as éliminés tout à l'heure. C'est donc l'armée qui dirigeait tout ça avant le GRE? Oui. C'était un bunker de commandement à l'époque de la guerre froide. La guerre froide? Une période du siècle dernier. À l'époque, les guerres se livraient à plus grande échelle. On gérait au jour le jour nos besoins quotidiens. Avoir assez d'eau, des lampes UV et de quoi grignoter. Mais c'était un peu comme aujourd'hui. Le peuple vivait chaque jour dans la peur constante. Une sacrée histoire. On appelait ces endroits des témoins de l'histoire. Super. Plus de lumière encore. Attends, je vais trouver quelque chose. S'il y avait l'électricité ici, on pourrait alimenter tout l'étage. Le petit A. On va chercher le petit A ou... C'est un peu étroit ici. Clac. Clac. Yes. Ok. Je dois quand même vous dire que je prends plus de plaisir à jouer avec les survivants qu'avec les pacificateurs, parce que les survivants, on dirait qu'il y a un semblant d'espoir, tu sais. Un truc qui te fait un peu remonter le moral. Par contre, les pacificateurs sont vraiment... Tac, 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 tu la vois. Pas intérêt à faire un tour de n'importe quoi avec eux. Mais du coup... Et pourtant, je regrette pas un seul instant d'avoir choisi de faire deux parties avec... des façons différentes, quoi, en fait. Même si ça fait tout refaire à double. C'est pas tant grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Véronica, tu tiens le coup? Je veux juste atteindre cette base de données et me barrer de là. Tu progresses bien. Continue de me parler. Pourquoi tu m'aides réellement? Tu prends un sacré risque. J'ai promis de t'aider, d'accord? Ok, je comprends. Tiens bon, je vais faire aussi vite que possible. Allez.
Ok, c'est pas ici. Apparemment, je dois y aller. Le petit A vert, pas loin du petit A rouge. Je crois que je suis passé à côté en fait. Non, c'est pas ici. Ouais, c'est là. Et du coup, pour passer là, il me faut que je passe depuis je sais pas où. Depuis là. Ouais. Merci. Je fais un petit saut et olé. Je vais déjà mettre directement le point, comme ça c'est fait. Glissade. Saut glissé. Alors, le petit rouge est là. Ouais, juste à côté. Voilà, un peu de lumière, ça fait toujours plaisir. Ça va toi? C'était une bonne idée de rediriger le circuit. Ouais, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Véronica, on y va? Oui, finissons-en et après on se tire. Par ici. Je suis. L'ordinateur principal est ici. Tu vas enfin savoir ce qui est arrivé à ta sœur. Elle est tout ce que j'ai. Et tes parents? Je me souviens pas d'eux. Juste d'elle. On... on formait une bonne équipe. Sans elle, c'est comme si... Je sais pas. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Eh ben... Je sais pas vraiment qui je suis. On est tous différents de ce qu'on était il y a 15 ans de ça. On s'est tous... égarés. Ça ici. C'est encore verrouillé. Et maintenant? Le terminal est inactif. Le système de sécurité a isolé cette zone. Ah, à moi de jouer. J'ai peut-être une idée. Essaie de trouver la salle des officiers. Il y a un bureau de sécurité. On pourrait essayer d'y contrôler le verrouillage des portes. Tu devrais pouvoir utiliser ta clé du GRE pour ça. T'en connais un paquet sur ce bâtiment. Je t'en prie, mets la clé et sélectionne « Déverrouillage d'urgence » sur l'écran. Je t'expliquerai tout quand on aura terminé. Ok. Ah ben voilà. Aiden, ça a marché. Ouais, mais on a peut-être un autre problème. Je suis coincé ici. Je dois trouver un moyen de sortir. Est-ce que je peux t'aider? Non, je pense pas. Reste où t'es. Thank you.
Easy peasy. Je pense que c'est pas très braqué, Aiden. Hop. Bonjour. Véronica Ryan, directrice des laboratoires d'études. Un médecin du GRE intermédiaire, mon cul. On dirait le bureau de Véronica. T'as pas été honnête avec moi, Véronica. C'est qui ce garçon? Peut-être son fils? Aiden. C'est drôle. On dirait qu'il y avait une autre Véronica Ryan. Directrice des laboratoires d'études. Je comptais te le dire. Pourquoi tu m'aides? Tu travailles avec Waltz? Waltz? Non, jamais. Même à l'époque, je m'y opposais. Waltz avait sa propre équipe de chercheurs. Mais t'étais au courant de ces expériences? Comment ils ont utilisé des enfants? Ma sœur et moi? C'est pour ça que je suis là. Je ne peux pas l'oublier. Tout ce qu'on a fait ici. Comment on vous a laissé tomber? Tous ces gamins qui souffraient. Sans aucun remède pour les soulager. Remède? On avait 5 ans, bordel de merde! Les jeunes enfants présentaient une immunité naturelle au virus. On y a vu une corrélation entre l'âge, le développement cérébral et la gravité de l'infection. C'est pour ça qu'ils faisaient des expériences sur vous. Le GRE, le monde, avait besoin de vous. Vous sembliez être notre seul espoir. Je suis désolée. Ça en valait la peine? Avez-vous jamais approché d'un possible remède? Nous y étions presque. Mais le virus a fini par atteindre le complexe. Alors, t'étais impliqué dans ces expériences? Non. Les tests sur les enfants ont tous été effectués dans un laboratoire. Ici, on ne faisait que compiler les données et les recherches. J'étais là quand tout s'est passé. Les membres des équipes ont commencé à se transformer. Et la situation a vite dépassé toute forme de contrôle. Un à un, nous étions enfermés à l'intérieur. On se cachait, et on se faufilait entre ces couloirs obscurs et les conduits de ventilation. Mon fils était là avec moi. Paul. Il avait 5 ans à l'époque. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? J'ai trouvé le conduit qui menait à l'entrée principale. J'ai dit à Paul de m'attendre. Je l'ai embrassé. Je lui ai dit d'attendre que je m'assure que l'entrée était sûre. Il s'est accroché à moi. Il ne voulait pas me lâcher. À mon retour, il n'était plus là. Je ne m'étais absentée que 15 minutes. J'ai passé la semaine suivante à le chercher. Et le reste de ma vie a pleuré. J'aurais dû m'en douter. C'était qu'un gamin. Effrayé. Seul. Je suis désolé. T'essayais de le sortir de là. Comment t'aurais pu le savoir? Enfin. On a tous nos histoires passées. Autant nous concentrer sur ce qui nous attend. Ok. Allons-y. Ouais, c'est pas évident ça. Mais du coup, moi je m'arrête ici pour l'instant. Et je vous.
c'est une fenêtre, je me suis dit, voilà, c'est... Et je vous dis donc à la prochaine, passez une très très bonne soirée. Et puis, bah, prenez soin de vous. Ciao.